Moi aussi. T'aimerais la revoir? Ouais. Alors viens, tu vas voir passer le cardio du chemin. Allez, viens! Que pensez-vous de tout ça, Napoléon? Je trouve que ces rencontres culturelles ont du bon, madame. T'aurais dû crier, toi aussi. T'as son adresse, au moins? Non. Moi, je leur demande toujours leur adresse. Quand elles me plaisent, bien sûr. T'aurais dû me le dire. Comment qu'on va faire, maintenant? T'as plus qu'à te faire nommer ambassadeur en Kurlande. Ambassadeur en Kurlande. Ambassadeur en Kurlande. Mais oui, ambassadeur en Kurlande. Ambassadeur en Kurlande. Oui, mon cher, c'est chose faite. Vous êtes notre ambassadeur en Kurlande. Votre nomination n'attend plus que la signature du ministre. Mais croyez-moi, c'est une simple formalité. Alors, vous êtes content? Est-ce que le climat n'est pas un peu... Un peu quoi? Un peu froid. Froide? La Kurlande? Un pays que l'on a baptisé la Sicile du Nord, vous plaisantez, Dupont Bridaine. L'ambassade est-elle confortable? Je ne vous dis pas que c'est le palais Farnèse, non. Mais je garde d'un unique et délicieux séjour en Kurlande le souvenir d'une petite ambassade bijou, sertie dans un écrin de neige. Ah, parce qu'il y a de la neige? Quand je parle de neige, entendons-nous. Il leur arrive de temps à autre d'avoir quelques chutes de neige, mais en hiver seulement. Quoi, nous ne sommes pas à Bingerville. Allez, vous êtes un heureux homme et vous allez faire des envieux. Ah, à ce propos, n'allez pas clamer votre nomination sur les toits, surtout. Ah bon? Surtout pas. Le poste est très convoité. Ah. Une indiscrétion pourrait vous causer le plus grand tort. Alors, hein, motus. Et mes respects à votre cher papa qui se porte très bien, j'en suis sûr. Non, non, par ici. Pardon. Ici, voilà. C'est ça. Au revoir. Ah, je ne suis pas mécontent. Enfin, j'ai casé la Kurlande. Bonne fouille, monsieur Fonsalette. Merci, bonne fouille, Bazin. Bonne fouille, monsieur Fonsalette. Bonne fouille, chauffard. Bonne fouille, Fonfon. Bonne fouille, mon bon. Oh, comment va, mon bon? Comment va, mon duc? Oh, je vous trouve une mine. Oui, je suis assez en forme. Et madame votre mère? Ma chargée d'amitié pour vous, je vous remercie. Vous avez pu faire un saut à Chavignol? Hélas. Ah. Oh, mais toi, fuis comme des passoires. Nous avons compté 299 gouttières avec Lucas et Pastoureau. Comment vont-ils, vos vieux piqueux? Oh, vieux, vieux, archi-vieux. Avec Pastoureau qui passe les 90 cette année, eh oui. Nous avons placé des bassines un peu partout, mais... L'eau a débordé jusque dans le grand salon. Vous savez, les sièges aux femmes de La Fontaine, là, ils sont perdus. Le loup et l'agneau, mangé. L'un et l'autre? Ah, tous les deux, oui, mais j'en pleurais. J'ai supplié les monuments historiques de me couvrir. Savez-vous ce qu'ils m'ont répondu? Supprimez vos chiens. Oh. Supprimez. Je n'aurais même pas de quoi leur offrir la dernière boulette. Mes chiens. Ma meute. Tout ce qui me reste de mes ancêtres. Enfin. Et l'abbaye de madame votre mère? Ah, chez nous, le contraire, c'est le manque d'eau qui cause des ravages. Oh, que c'est curieux, hein? N'est-ce pas? Cependant, il pousse d'étranges fleurs dans notre jardin sans eau.
Regardez. Oh, Fonsalette, mais vous êtes béni. Où avez-vous volé cette merveille? Je l'ai ramenée des enfers. Ah, vous allez vouloir encore nous quitter, hein? Comment le savez-vous? Cette jolie personne a dû ranimer en vous le goût des chantiers du désert. Vous allez vouloir rejoindre le Moyen-Orient. Vous trompez-vous, je veux partir, en effet, mais dans une autre direction. Je songe à la Curlande. La Curlande? Mais vous plaisantez! En ai-je l'air? Mais la Curlande, pour votre carrière, c'est la voie de garage. D'ailleurs, le poste est vacant depuis plusieurs mois, c'est à qui se débrouillera pour ne pas y aller. Mais seriez-vous amoureux, par hasard? Je m'en pardon, j'ai pas bien saisi le sens de votre question. Une question? Vous aurais-je par mégarde posé une question? Alors vous me le pardonnerez, parce que j'ai une petite idée qui ne peut que vous réjouir. Réchauffaine, chargez-nous la Curlande, voulez-vous? Nous descendons. C'est un documentaire réalisé pour la France par l'Office royal de tourisme curlandais. Sans essayer, n'aucun succès. Mais c'est leur devise. Ah oui, je sais. Au nord du 50e parallèle, les eaux de la Baltique baignent les rives de la Curlande. La Curlande. Île joyeuse. Île des fleurs. Île des moulins. Des oies de Niels Holgersson, des rennes apprivoisées, des poneys chevelus, mais aussi du soleil de minuit. Du long hiver blanc, où la neige et la glace couvrent l'île que sa forme singulière fit baptiser la Sicile du Nord. Le palais royal s'élève sur le rivage même où, en 322, aborda Roland l'Ancien, fondateur de la dynastie, non loin de la capitale Avignon-Bourg, cœur du royaume, port ouvert sur le monde. Accueillante Curlande, paradis des touristes. Bienvenue, vous dit ce garçon dans la langue officielle, le français. Oui, le français que les institutrices curlandaises apprennent dès leur plus jeune âge à ces charmants bébés blonds et roses, descendants des Vikings. Car les Curlandais sont avant tout fils de la mer. La principale ressource du pays, c'est la pêche. La pêche au hareng particulièrement. La campagne est parsemée de riantes petites usines où l'on prépare, sale et fume le poisson. Dans le fameux Smørrebrød, vous découvrirez les 157 façons d'accommoder le hareng. C'est pas mauvais le hareng. Bon, pour qui aime. Sur fond de fiche, florum lila, dit la vieille devise, qui figure sur les armes du roi. Souverain démocratique, Éric XIV habite le palais royal que le public peut visiter le mardi. Notre roi vit simplement. Il est entouré de ses 7 petits-enfants et on peut dire à la bonne franquette. Vous avez du feu? La princesse royale, le petit prince qui opère. Roland et Adélaïde. Pour les 10 ans du jeune prince, Sa Majesté a fait le plongeon traditionnel du haut du balcon du palais dans la Baltique pour rejoindre la famille royale. Ici, nos gracieuses princesses. Le prince héritier Roland. Tandis que dans tout le pays, on dansait sur l'air d'Auprès de ma blonde. Pourquoi?
auprès de ma blonde. Pourquoi le français? Pourquoi Avignon-Bourg? Eh bien, parce qu'en 1792, dans la ville d'Avignon, en France, naquit Adélaïde Campredon de la Bégude, qui devint reine de Curland. La jeune fille qui avait suivi son père, colonel de l'Empereur, prit vaillamment la place de l'officier quand celui-ci fut tué pendant la retraite de Russie. Le prince, qui régnait alors sur la Curlande, entendit l'histoire de la valeureuse enfant et tomba follement amoureux de celle que l'Europe entière appelait la demoiselle d'Avignon. J'ai appelé ma statue la demoiselle d'Avignon. Ah ben ça c'est amusant. Il l'épousa. Adélaïde devint reine de Curlande et fit don à cette île encore sauvage de la douceur des bords du Rhône. Le lilas fleurit dans les serres, le français fleurit sur les lèvres et la musique se répandit sur le peuple. Et c'est par amour pour la demoiselle d'Avignon que chaque année, le souverain offre à la nation le traditionnel concert royal. Concert royal, parlons-en. J'ai un compte à régler avec le concert royal. Chaque membre de la famille régnante devant savoir jouer d'un instrument. Le prince héritier Roland est d'ailleurs un musicien universellement. Monsieur le secrétaire général demande Monsieur Fonsalette dans son bureau. La princesse royale, sa sœur Christina, une harpiste distinguée. Inutile d'en voir davantage, hein, je suis convaincu. Merci, mon cher. Il n'est pas. Je lui demandais le poste à l'instant. Vous pouvez arrêter la projection, Réchauffaine, merci. Oh, dites-moi, monsieur le duc, je ne suis pas le duc, mais nonobstant, si je puis vous être utile ou agréable. Oh, pardon, Fonsalette, oui. Figurez-vous que je suis un peu perdu, je ne retrouve plus mon bureau. Troisième étage, couloir C, deuxième porte à gauche. Merci, merci infiniment. Je vous en prie. Non, c'est pas ça. Oui, on se la ferme. Bonjour, Fonsalette. Heureux de vous voir. Mes respects, monsieur le secrétaire général. Vous arrivez d'Avignon? Je suis rentré cette nuit. Votre charmante mère. Va bien, je vous remercie. Bon. Asseyez-vous, mon cher. Merci. Fonsalette, je vous ai convoqué pour deux raisons. La première, qui me désole, est qu'il n'y a aucun poste de libre en ce moment vers le Moyen-Orient. Alors, j'en suis enchanté, monsieur le secrétaire général. Je ne souhaite pas actuellement partir pour le Moyen-Orient. Du reste... Eh bien, je suis ravi. Vous êtes aussi difficile à placer sur l'échiquier diplomatique, quoique parfois il y ait de bons moments. Figurez-vous, mon cher, que j'ai réussi à refiler la Curlande à ce niais de Dupont-Bridaine. Pardon, la Curlande? Oui, je l'ai fait nommer ambassadeur en Curlande. Ça n'est pas drôle? Ah, dites-moi, Frédéric, vous n'avez pas vu mon bureau? Troisième étage, couloir C, deuxième porte à gauche. Mais vous n'êtes pas Frédéric, vous? Alors, c'est la catastrophe. Dupont-Bridaine est nommé ambassadeur en Curlande. Ah, la Sicile du Nord n'avait pas mérité ça. Non, ni moi non plus. Vous partez? Oui, convoqué à la joie de vivre. Ah! Quoi? Rien. Ah, bon. Monsieur le ministre va vous recevoir dans un instant et il vous prie de l'excuser. Ah, asseyez-vous. Merci. Monsieur le ministre a été retardé par le conseil de ce matin. Au revoir, monsieur le président. Mes respectueux devoirs. Monsieur le ministre vous attend, monsieur. Pardon, n'est-ce pas Dupont-Bridaine qui vient de sortir? Lui-même, monsieur, le grand Dupont-Bridaine. Oui. Le père. Merci. Monsieur le ministre. Bonjour. Ah non, 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 mon cher président. Je disais bonjour à quelqu'un qui vient d'entrer dans mon bureau. Oui. Oui. Mais j'ai bien l'intention d'en parler dans mon allocution à la télévision. Oui, 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 oui. Nous déjeunons tous les deux chez la serre. Eh bien, je vois que nous sommes tout à fait d'accord. Au revoir, mon cher président, mes amitiés à Gladys. Au revoir. Bonjour, François. Monsieur le ministre. J'ai des tas de choses à vous dire.
Comment allez-vous? Très bien, monsieur le ministre. Et vous? Ça vous amuse de m'appeler monsieur le ministre? Non, mais je ne vois pas comment vous appeler. Nicole! Appeler Nicole un homme d'État? François, il faut admettre la réalité, je suis ministre. Bon, mais je ne l'ai pas cherché. Vous le savez mieux que personne. Il y a 2 ans, en rentrant du Moyen-Orient, je croyais... Oui. Passez-le-moi. Non. Non. Non, non, non. Ah, non! Non, j'ai dit non, c'est non. Voilà. Mais je vous en prie. Au revoir, cher ami. Frémio, soyez gentil de ne plus me passer de communication et allez déjeuner quand vous voulez. Merci. Que disions-nous? Ah oui, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela pendant vos vacances. Moi, je ne peux pas retourner en arrière. Le musée du Louvre, les fouilles, c'est fini. Ce qui compte, c'est ça. Ma situation vous gêne et je le comprends. Il y a un remède. Soyez ministre. Ministre, moi? Vous, François Fronsalette. Ah, mais j'ai pas envie. Mais vous n'en savez rien. Ah, mais si. Eh bien, vous n'êtes pas normal. Tout le monde a envie d'être ministre, surtout en France. Vous dormez bien, cher François. Enfin, c'est tout de même désolant que vous ne fassiez rien de toutes vos qualités. Vous êtes le type même de l'hypo-ambitieux. Aussi, j'ai décidé de m'occuper de vous. Nicole, je déteste qu'on s'occupe de moi. Ah, Nicole, ça c'est gentil. Et pendant le déjeuner, je vous parlerai d'un projet de collaboration entre les affaires étrangères et la joie de vivre qui me tient à cœur. Encore ? Quoi ? Hein ? Mon face-à-face est annulé ? Non ! Il est malade. Il n'est pas malade, il a peur. Remplacé ? Mais par quoi ? La résurgence des fêtes locales et vieilles traditions. Oui, oui, évidemment. On peut en assimiler le substrat à la joie de vivre. Mais c'est un sujet que je connais mal. Il faudrait s'y mettre tout de suite. Mais quand je dis tout de suite, c'est tout de suite. Attendez. Frémio, vous n'êtes pas parti, tant mieux, vous ne partez plus. Nous allons étudier ensemble un projet vieilles traditions et fêtes locales. Faites-nous monter des sandwichs et du lait. Vous préférez de la bière? Mais bien, ce que vous voudrez, Frémio. Est-ce que je m'occupe de ces détails? Si je ne fais pas tout moi-même. Allô, vous êtes toujours là? Eh bien, écoutez, c'est d'accord, je serai prête. Merci. Vous ne me croirez pas, mais je n'ai encore jamais trouvé un homme qui ait le cran de paraître dans un face-à-face avec moi. Mais je vous crois. Ce serait si charmant un face-à-face avec vous. Oh, c'est idiot. Et notre déjeuner? Oh, ça n'a pas d'importance. C'est gentil de le comprendre. Bon, posez ça là, Frémio. Nous nous mettons au travail tout de suite. Promettez-moi que nous déjeunons ensemble au début de la semaine prochaine. Il le faut. J'ai absolument besoin de cette conversation. À très bientôt, François. À très bientôt. Je m'occupe de vous beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous verrez, vous verrez. Mesdames et messieurs, de même que le blé jaillit de la terre de nos campagnes, et puis ancestraux, gerbe d'espoir. Eh bien. Puni. Oui. Privé de déjeuner. Décision ministérielle. Le ministre m'a dit soyez ministre, j'ai dit non. Ben vous avez bien fait, parce que les ministres sont des denrées périssables. Vous dînerez mieux ce soir. Je ne dînerai pas. Vous ne dînerez pas? Je n'ai pas le cœur à ça. Eh bien, mon cher, vous dînez. Je dîne. Oui, et savez-vous avec qui? Avec Félicien Dupont-Bridaine, oui, mon bon. Mais comment? Ah, ben, comme ça, une idée de votre serviteur. Oui, j'ai rencontré Dupont-Bridaine qui cherchait son bureau dans les... Enfin, là où il n'est pas. Mmh. J'ai pensé que dîner avec lui servirait peut-être vos affaires. Nous montions à Grimsing en calèche.
Oh, le vin, les chansons des filles, mes amis. Vous savez que des tziganes me suivaient en raclant leur violon. J'étais invité partout. Une nuit, j'ai soupé 9 fois. On est parfois obligé de rendre service à son ambassadeur, hein. Oui. C'est très drôle, je n'ai jamais pu avoir Vienne. Oh, le Prater, l'hôtel Sacher. Edmond, vous avez des sacs à... Ah non, monsieur le duc, j'ai juste des diplomates. Bon, alors regardez-les. Oui, j'avais mon rond de serviette au sacs comme un archiduc d'avant Sarajevo. Ce que j'ai pu manger comme gâteau. Oui. Mais vous, cher Dupont-Briden, vous avez dû être gâté pendant votre passage à l'émir Adomouk. L'émir ne pouvait pas me voir. Ah tiens, j'aurais plutôt cru le contraire. Edmond, on ne pourra donc jamais boire ici que les vins du Cruchon. J'ai bien, monsieur Fonsalette, tout le monde se plaint. Enfin, j'exagère pas, ils sont infects. Peut-être bien, monsieur Fonsalette. Vous n'en buvez pas? Jamais, monsieur Fonsalette. Les vins du Cruchon sont réservés à ces messieurs. L'assassinat concerté du corps diplomatique. Un peu de vin, Dupont-Briden. Ah non, merci. Oh, vous riez, mais on a vu des crimes encore plus étranges. Mais je ne ris pas. Je suis sûr que si on savait le fin mot de l'affaire Badinguet... Fin mot que vous savez, d'ailleurs, mon cher Adam. Badinguet. N'est-ce pas lui qui avait la curlande? Oui, comme vous dites. Il avait la curlande. Pauvre Badinguet. Il ne s'est pas plu, là-bas? Pas plus. Mais qui se plairait abandonné par son gouvernement sur une banquise, au milieu d'hommes de Néandertal qui vous jettent du poisson cru, comme à des otaries. Aux arrêts, dans une ambassade dont les salles de bain n'ont jamais fonctionné. Non. Si, livré à un souverain sadique qui reçoit ses lettres de créance en prenant des bains dans la Baltique gelée. Non. Si. Heureusement, depuis la semaine dernière, nous savons qu'il vivra. Badinguet? Oui, les crises d'angoisse s'espacent, les hallucinations aussi. Quelques mois de repos, il redeviendra peut-être un homme normal. Excusez-moi, messieurs. Il faut que j'aille téléphoner à papa. Ouf, je crois que c'est gagné, hein? Adalbo, j'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Ça s'arrose, hein? Edmond! Oh zut, j'avais oublié les vins du Cruchon. Oh, que ces messieurs n'aient l'air de rien, celui-là, c'est du bon. C'est le mien. Curieux destin que le mien. Il y a 3 ans, je rencontre Nicole en Syrie. Elle me plaît. Belle, intelligente, courageuse, peut-être un petit peu autoritaire, mais enfin, elle me plaît. Elle rentre à Paris, conservateur au musée du Louvre. Elle paraît à la télévision dans l'émission Retour de fouille, un triomphe. Là-dessus, le vieux maire de son village natal meurt bêtement. Plus bêtement encore, elle se présente aux élections. Vous savez la suite? Grâce à la télévision, maire, conseiller général, député, ministre. Si bien que quand moi je rentre à Paris, plus de Nicole. Monsieur le ministre. Quelque temps plus tard, je rencontre Caroline. Adorable petite danseuse des ballets Van Essling. Pauvre, mais... travailleuse, appliquée, peut-être un petit peu autoritaire, mais enfin, elle me plaît. Crac, Van Essling meurt. On découvre que Caroline est sa fille. Elle hérite de 600 millions. Ah, vous n'avez vraiment pas de chance. N'est-ce pas? Mais cette fois, Duc, je crois que j'ai mis la main sur une vraie Cendrillon. Je vais pouvoir tout lui apporter. Vous ne craignez pas, avec vos antécédents, que subitement elle gagne un concours ou qu'elle hérite? Héritée, elle est déjà orpheline. Oh. Ce qui est plutôt une bonne chose, oui, à la quantité de frères et sœurs. Non, ce sont les familles méritantes. Et puis je l'ai vu fouiller. Il faut la voir empoigner sa bêche, hein. On sent une petite qui a été élevée à la dure. Et vous volant de son camion. Son camion? Fichtre. Oui, enfin, un petit camion, son petit véhicule. Moi, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Tiens, à cette heure-ci, ils doivent arriver dans l'île. Et n'allez pas croire, surtout qu'il s'agisse d'une personne sans éducation. Oh non, elle est... Je vous ennuie peut-être. Oh, du tout, du tout. C'est vrai, ça, je parlerai d'elle toute la nuit. D'ailleurs, je lui ai demandé si elle était riche. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Elle a ri, la pauvre. Elle a ri, elle m'a dit avec son délicieux accent, « Non, je ne suis pas riche, mais nous habitons une jolie maison. »
Bonne journée, Votre Altesse. Bonne chemise, cœur joyeux. Gudlich. Gudlich. Bonjour, Gudul. Mon petit troll est de retour. Quelle heure est-il? 6 heures, comme toujours. Le réveil, ma chérie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La première dame d'honneur du palais présentera la chemise à la princesse royale revenant d'un séjour à l'étranger. Pas obligé de la mettre? Non, mon flocon de neige. Geste purement symbolique. Oh, le bon petit déjeuner. Du lait de renne bouillant, du poisson cru avec la confiture d'Erel, du pain de lichen. Des snips! Oh, les snips! Je les ai fait moi-même, ma princesse. Et la France? La France? Adorable. Devine ce que je te rapporte. Des escargots et de la lavande que j'ai cueillie moi-même. Des escargots? Mais c'est tellement raffiné. J'ai des cadeaux pour tout le monde. Pour toi aussi, ma Julie. Les snips sont divins. Et mon roi bien-aimé? Oh, ton Altesse devrait dire à Sa Majesté d'être raisonnable. Notre roi est solide, mais il a tout de même 78 ans. L'autre matin, il a fait la face à l'ambassadeur d'Espagne. Il a plongé? Du balcon de la salle des États, comme toujours. Cher papy. Et l'ambassadeur? L'ambassadeur a été malade. Il a plongé aussi? Non, il a été malade des saisissements. Ah, tu sais bien que personne n'a jamais osé plonger après ton grand-père. Oh, je vais être en retard pour la répétition. Qu'est-ce que c'est? Une chose qui a beaucoup de valeur. Une pièce du roi Philippe le Bel. Tu demanderas à M. Vermeil de la monter au bout d'une chaîne. Merci. Pièce d'or. Bonjour, Roustan. Son Altesse Royale, la princesse Christina Adélaïde France. Papy. Et les Françaises? Les Françaises, elles sont comme ça. Ça ne s'arrange pas son accent. Oh là là. On a vu 3 spécialistes pendant ton absence. Rien à faire. Oh, Kuba, tu m'en as rapporté, dis mon gars de Montélimar. Oui, mon chéri. Que tu es brave. Où il est, le nougat? Putain, mon chéri. Au travail, les enfants. Nous avons plus que 15 jours pour le commencement du concert. On bavarderait pendant le smore brut. Eh bien, comment est-elle, la mère, cette nuit? La mère? Déchaînée. J'ai cru que le petit car passerait par ton support. Oh, c'était merveilleux. Les tasses. Et tes camarades de gymnase? Les deux filles ont pris l'avion ce matin à Copenhague pour leur année au Canada. Et les garçons? Les garçons ont embarqué ce matin pour leur service dans la marine. Oui. Et Koba rentre au palais pour son service de princesse. Et Koba rentre au palais. Son Excellence, la grande chambellaine du palais. Majesté, Altesse, Altesse bienvenue, Altesse. Cher Valdemar, le calendrier, est-ce qu'il est lourd pour cette entrée? Assez lourd, Votre Majesté. Je vois plusieurs manifestations importantes. Inauguration de la pouponnière des grenadiers de la garde. Concours de la plus belle vache viking. Tournoi de natation, ouvrière de pêcherie de harangue contre femme des chambres du palais royal. Si je peux me permettre d'avancer un avis, sire. La présence de son Altesse le prince héritier serait particulièrement bien vue à cette manifestation sportive féminine.
Bon. Inauguration de l'autoroute de la Sicile du Nord. Son Altesse, le prince héritier. Vernissage de l'exposition. Mais mon comptoir. Comment vais-je pouvoir composer quand j'inaugure tous les jours? Vernissage de l'exposition 100 ans de Provence. Son Altesse, le prince Kilperic. Kilperic, qu'est-ce qu'il y a que tu n'es pas content? Il n'y a plus de snoop. Eh bien, tu connais le proverbe. S'il n'y a plus de snoop, on mangera des sprats. Oui, pépé. Continue, Allemagne. Mercredi prochain, centenaire de la glyptothèque. Le quoi? De la glyptothèque. Quand nous avons une glyptothèque? Oui, sire. Un musée des sculptures. En fait, il s'agit du centenaire de la section d'archéologie. L'archéologie, c'est bien ceux qui creusent, qui fouillent? Mais certainement, votre Altesse. Allons, m'inscrivez. Princesse Christina, tu as le sens de la couronne. Valdemar, vous accompagnez la princesse dans ma voiture. Il faut montrer à les archéologues, car à la minute où nous célébrons leur centenaire, il se passe rien de plus important dans l'île. Princessine, princessine Christina. Princesse, quel honneur pour la glyptothèque. Ne voyez au moins, monsieur le doyen, qu'une jeune fille ignorante, mais plein de respect pour le savoir. Merci. Ici, c'est la salle des archivistes. Christina, tu étais mon élève en cinquième au gymnase. Et tu étais une gentille petite fille. On t'appelait Koba. On m'appelle toujours Koba, maître Cornelius. Ah, et tu te souviens de mon nom. Mais dis-moi, ma petite Koba, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est la princesse. Hein? C'est la princesse. Mais ça va, c'est la princesse. Que souhaiterais-tu faire dans la vie, ma petite Koba? On m'a déjà demandé ça, il n'y a pas longtemps. Et je ne savais pas quoi répondre. Non, il faut faire ce que te dicte ton cœur, princesse. Tu vois, moi, j'ai toujours aimé les livres. Et j'ai toujours été heureux. Je suis vieux, je suis sourd, enfin, quand je veux. Mais j'ai mes amis. Ils ne me laissent jamais seul. Et tu vois, ils en viennent partout. Celui-là, The Crescent Light, il vient de Boston. Celui-là, c'est un livre portugais sur les sanctuaires de Bouddha en Europe. Celui-là, c'est Mes fouilles par un Français, François Fonsalette. François Fonsalette? Je peux l'emprunter? Pour fouiller, il ne faut pas avoir peur de creuser. Qu'est-ce qu'il écrit bien? On creuse, et naturellement, on ne trouve rien. Mais il ne faut pas se décourager. Jamais. C'est vrai. Tab Koba, Victeng Sebae. Ictot. Bonjour, princesse. Bonjour, princesse. À l'heure, ma princesse, je t'ai marié. Il sera pas à plaindre, le prince qui t'épousera. Vous remettrez ce rapport au chef de cabinet lui-même et vous me ferez tenir la dépêche de Londres dès qu'elle arrivera. Bien, monsieur.
sweet would they gently kiss the tree. And they did make no noise. In such a night. Alors, Koba, où es-tu? Pardon, papy. On est tous un peu fatigués. Ces derniers jours sont très durs. Allez, on reprend. Ça va pas mal. Adal, la première manche est gagnée. Dupont-Bridaine refuse la Curlande. Le prétexte? Les bronches. Félicien est trop fragile, a dit son papa. Je ne vous le confie pas au-delà du 60e parallèle. Le patron effondré. Alors je lui ai dit, moi je suis solide, je postule. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a serré les deux mains et il m'a dit, merci, vous êtes fou, merci. Et voilà. C'est un jour faste pour Ponce la Lettre. Vous avez vu Paris Match? Regardez sur votre bureau. Oh! Oh ma fille! La demoiselle d'Avignon. Ma demoiselle d'Avignon. Après le concert royal, je parle à papy. Des bracelets. On commence dans un quart d'heure, votre Altesse. Je suis prête. On dirait la demoiselle d'Avignon. Ton cœur te bat. Plus encore que les autres fois. J'y vais. Nous aussi, ma princesse. On veut rien manquer du spectacle. Dame, princesse. Majesté, le roi. Camarade, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Gentil peuple de Courlande, tu es venu une fois de plus pour prendre rendez-vous avec la musique. On va essayer de vous faire plaisir. Car in stroy der nar, in bi der strong. On va jouer devant vous un petit fuge de Swedenkirk, notre fameuse compositeur courlandaise du 19e. Et Harenzauer, une œuvre inédite de notre cher fils, le prince arrêté Roland.
Concert royal, concert royal. Tiens, ils chantent dans les concerts royaux, on n'entend rien. Vive la République! Ici Royal RTK. Vous venez d'entendre en direct d'Avignon Bourg la retransmission du concert royal. Je peux te demander une audience, papy? Tout de suite? Si tu veux. Alors, qu'est-ce qui se passe, Steve? Une supplique, papy. Pour rire? Non, pas tellement. Je t'écoute. Oh, je ne sais pas comment te dire. Je voudrais partir. Partir pourquoi? Je voudrais connaître la vie que j'aurais si j'étais une jeune fille comme les autres. Ici, tout le monde me connaît. Bonjour, princesse. Comment tu vas? Ils me disent quand je passe dans les rues. Mais moi, je sais que je ne vais pas bien. Là-bas, j'étais comme tout le monde. Là-bas, en France? Oui. Les gens me disaient, mademoiselle, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et je ne savais pas quoi répondre. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Et là, j'ai senti que ma vie m'était déjà imposée. Et que je ne savais pas de quoi j'étais capable. Mais il faut que je le sache. Wunder, wunder, wunder. Ici, à cette même place, il y a 60 ans, moi aussi j'ai fait la supplique. Et mon père me laissait partir. Je lui ai dit, il faut que je sache. Alors, le saxumando, oubliez les cadets de la marine, les son altesse, et le fait de la cour, Eric, matelot courlandais, s'embarque sur un bâtiment de noise pour faire le tour du monde, petit Cuba. Boulanger, Shanghai, Melbourne, Vancouver. Les tempêtes dans la mer de Chine, une bordée à terre. La carotte de gris, une gorgée de tafia. Ça, c'est la vie. Sans Adélaïde, fille de mon fils, quel dommage que tu ne sois pas l'aînée. Tu aurais fait une reine formidable. Roland, un être délicieux, mais c'est un anarchiste. Si, si, un gentil anarchiste, mais un anarchiste. Sans Aaron Zao, jolie musique, mais folle. Tu partiras sans agent, sans escorte. Je dirais que tu fais la retraite. Roland et moi seuls, nous serons la vérité. Donne-moi ta main. Je vais te conduire dans la crypte. C'est là où mon père m'a fait jurer sous les os de Roland l'Ancien. Mets-toi à genoux. Joins tes mains sur ce tombeau. Pour que ton expérience soit complète, écoute les conditions que ton souverain t'impose. Ton absence durera pour un an. Pendant ce temps, sous aucun prétexte et quelles que soient les circonstances, tu ne révéleras qui tu es. Sous aucun prétexte et quelles que soient les circonstances, tu ne nous appelleras à ton secours, ni retourneras dans ton pays. Voici les conditions de ta liberté. Les acceptes-tu? Je les accepte. Fais-tu les serments de les respecter? Je les fais. Pour gage de ta parole, je te remets cet anneau. Garde-le, qu'il te protège au cœur de l'épreuve. Et souviens-toi que tu appartiens à la couronne de Curland. Je t'abandonne au sort commun. Avec émotion et confiance, Christina, va vers le monde avec ton âme intacte. Cher ambassadeur, je veux être le premier à vous embrasser. Je viens d'apprendre la nouvelle. Ça y est, je suis nommé. Ich flieg vom Curland. Je vole vers la Curland, ça veut dire. Oh, comme vous parlez bien. Nous déjeunons ensemble pour fêter ça? Oh, et là, je ne peux pas. Je déjeune avec une femme. Oh, François. Bonjour, Caroline. Bonjour.
Mon télégramme ne vous a pas trop déplu cette fois? Ça m'a fait plaisir. Je vous trouve bien. Je ne vais pas mal. Quelque chose de changé? Peut-être, oui. Où étiez-vous hier? Téhéran. Et demain? Nassau. Je suis content de vous voir, Caroline. Je pars moi-même en voyage dans quelques jours. Ambassade? Oui. Où? La Curlande. C'est vous, ça, la Curlande. Est-ce que quelqu'un demande la Curlande? C'est très bien. Vous boirez du lait de renne, vous mangerez des harengs, vous nagerez dans l'eau glacée et vous aurez peut-être une révélation. Une révélation? Musique. Ah, concert royal. Oh, le prince Roland, surtout. Mais c'est un très grand musicien. Son Harun Zahour est une des plus belles choses que j'ai jamais entendues. Venez au téléphone pour mademoiselle. Excusez-moi. Monsieur Fonsalette, j'ai attendu de vos nouvelles. Monsieur le ministre. Cher ami, vous connaissez Monsieur François Fonsalette? Non. Monsieur Abel Dupont-Briden. Ah, vous êtes le père. J'ai l'honneur d'appartenir au même corps que votre fils, monsieur. Vous connaissez Félicien? Quel est votre nom? François Fonsalette, monsieur. Ah, c'est vous qui êtes nommé en Curlande? Oui, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de nomination en Curlande? La vérité, monsieur le ministre. C'est une plaisanterie. Non, monsieur le ministre. Ne m'appelez pas, monsieur le ministre. Présentez-moi, François. Caroline Van Essling, Nicole Lapierre. Monsieur le ministre. Monsieur Dupont-Briden. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Curlande? C'est une bonne idée, n'est-ce pas, monsieur le ministre? Et je me réjouis d'aller le voir sur sa banque. À très bientôt. Vous aurez de mes nouvelles. Je vais vous faire rire. Voyez-vous. Votre ministre est très belle. Elle manque un peu de décontraction et tout crispé, la peau. À cause de moi? Et si j'allais lui dire que tout est fini entre nous? Oh non, je vous en prie. Ah, je vous regrette, François. Il aurait suffi d'un peu de musique. Helsinki. Les passagers sont priés de se présenter à la porte 32 pour l'embarquement immédiat. J'ai tout mon temps, hein. Air France Flight 707 to Copenhagen, Avignon-Borg, Helsinki. Immediate boarding gate number 32. Lily Koba. C'est votre prénom, Koba? Oui, monsieur. Vous êtes étudiante? Oui. Motif de votre voyage? Pardon? Qu'est-ce que vous venez faire à Paris? Vous voulez être mannequin? Faire des photos, du cinéma? Ah non, monsieur, je suis une au pair. Ah, une jeune fille au pair. Oui, monsieur. C'est bien passé. Merci. Vous avez quelque chose à déclarer? Oui, ça je crois. Qu'est-ce que c'est? Une poutette à cuite que rendait. C'est pour qui? Pour un ami. Vous n'en auriez pas une autre pour moi? Ah non, je suis désolée. Ah. Allez. Merci. Koba.
faites ici? Je débarque. Je viens en France pour un an. Je suis au pair. Oh, c'est pas vrai. Mais si. Et vous, où allez-vous? Je me suis fait nommer en Curlande. Non. Si. Ich tot ambassadeur de France am Curlande. Ambassadeur? Ja. Yeah. Compliment. Il n'y a vraiment pas de quoi. Je voulais faire une surprise. Ah oui, moi aussi. Avignon-Bourg, Helsinki. Embarquement immédiat, porte 32. Dernier appel. C'est votre avion? Oui. Je vais vous accompagner. Oh, mais j'ai tout mon temps. Madame Fonsalette va bien? Madame Fonsalette? Ah, ma mère, oui. Oui, oui, très bien. Mais quelle idée vous avez eue de venir en France? Je voulais... C'est bête. Oh oui, c'est bête. Enfin, je veux dire, c'est très gentil, mais... C'est bête. Monsieur Fonsalette est demandé d'urgence à la... Courez, François, courez. Je ne peux pas, je suis diplomate. J'ai vu la demoiselle d'Avignon sur le journal. Elle est très belle. Oh, vous... de choses à vous dire, puis... Moi aussi. Je voulais appeler Invalide 98 20. C'est votre bureau, n'est-ce pas? Oui. Mais je suis quand même content de vous avoir vu. Oui. Moi aussi. Monsieur François Fonsalette à la porte 32. Dernier appel. Monsieur François Fonsalette. Oui, oui, oui. Il faut y aller. J'ai tout mon temps. Je vous avais apporté un petit cadeau. Oh, qu'est-ce que c'est? Une bouteille aquavit curlandais. C'est gentil, ça. Merci. Pardonnez-moi, il faut... Au revoir. Au revoir, Coba. Au revoir, François.